Allez. Donc là, on va à un autre endroit. On ne dira pas où. Vous le verrez tout à l'heure. Alors. Allez, je vous demande vraiment de toutes vous connecter là, c'est important. C'est vraiment important là, c'est vraiment important. Donc Apple, eh ben, il y a, à mon avis, il y a une taupe, mais je sais pas où, on sait pas comment. Dès qu'il y a une personne qui a publié, je pense, le lieu qu'on allait peut-être bloquer, mais c'est pas grave. On a la deuxième solution. Je vous demande sincèrement de venir là maintenant. Je vous dis pas le lieu, bien évidemment, parce que ça serait trop con. Parce que c'est pour éviter que nous nous repère. Non, c'était là-bas, je crois, mec. Hein. Bah, moi, ce que j'ai fait, j'aime bien là-bas, normalement. C'est là-bas. Ok, ok. On dit pas le nom, on dit pas le nom, les gars, s'il vous plaît. Voilà. Donc, venez partager un maximum, parce que ça va être une folie. Ça va être une folie. Sachant que tout à l'heure, moi je vais aller sur un plateau de télé en direct. Alors attendez, ne quittez pas, je reviens tout de suite. Chill qui m'appelle. Je suis en live, mais si j'ai rien. Je ne dis rien, on marche. Deuxième plan. Rien dire, on a des taux. Voilà, non, mais c'est clair. Mais je me pose une question parce que là, avant, on a pris le déj là. Oui. Chez Alit, à côté, il y avait deux nanas. Il y en a une qui avait le brassard police. Ah. Eh ouais, je l'ai vu, je l'ai même dit à Miku. Mais d'accord. Bon, c'est sûr et certain. Et... C'est pas grave. On a toujours un plan B. Mais de toute façon, on a toujours plein de plans. On a le B, le C, le D, on ira jusqu'au plan Q s'il faut, mais c'est pas grave. On va y arriver. De toute façon, les multinationales qui payent pas leurs impôts en France, hein, y en a un rappel. Hein, c'est clair, il y en a plein. Allez, venez, parce que c'est non. Putain, Richie qui arrête pas de marcher. Richie, attends, je réponds, hein. Restez là. Je suis désolé. Allez, partagez un maximum, parce que ce qui va se passer, ça va être fou. Salut. Putain, j'ai plus de voix. Bon, ce matin, je vous promets, quand je me suis réveillé ce matin, j'avais pas assez de force à vouloir me lever du lit parce que j'ai un mal de tête et la gorge vachement mal. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai les oreilles bouchées, j'ai la gorge qui me fait mal, mais ça va. Allez, partagez un maximum. Ce qui va se passer, c'est que ça va taper. Ça va taper, opération, coup de poing, blocage, gilet jaune, on est là. C'est quoi la surprise? Eh ben, je vais te montrer dans quelques instants. Ne quittez pas, s'il vous plaît, ne quittez pas, partagez un maximum. Surtout, ne vous cassez pas, hein, restez sur ce live. Alors, je veux juste ma tête pour l'instant parce que je veux pas qu'on repère les lieux. Je veux juste que, voilà, on voit ma tête pour l'instant. Allez, on arrive dans quelques secondes. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous embrasse. Par contre, alors si l'un, il ferme, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a quelqu'un dans le groupe qui est flic. C'est pas possible. Allez, je vous aime les cocos. C'est maintenant, c'est parti. Alors pourquoi ici? Parce qu'il y a deux semaines, Starbucks n'avait pas répondu à la négociation de Maître Villeneuve qui avait fait une demande de négociation. Donc voilà, donc vous savez où on est. Donc nous sommes à Starbucks. Voilà, pourquoi Starbucks? Parce que comme dit, il y a deux semaines, donc Maître Villeneuve qui avait fait une association, négociation justement, et Starbucks n'avait pas répondu une seule fois par rapport à ce qui s'était passé. Bon, ils le savent, ils sont contents. Ils sont presque contents parce qu'il n'y a personne, donc ça veut dire que tous ces gens-là vont leur prendre un café. C'est ce qu'ils viennent de dire. Ils viennent de dire, bah tant mieux, au moins on va vendre. Mais comment ça, ils sont courants?
Là, il y a une nana qui est avec son smartphone là et qui. Je sais pas, ils viennent leur dire, ils arrivent, c'est Starbucks aujourd'hui. C'est ça. Mais qui bosse ici. Donc apparemment, c'est fou. Ça veut dire ça, ça va prendre un café ici. On prend pas de café justement. Ah bon ? Ah si. Non, on prend pas de café, les gars. On va pas être à l'arrêt, les gars. Normalement, on se met pour voir, mais c'est ça. Ah non ? Après, tout dépend du choix de tout le monde. Quoi. Si tu veux dans la législation, tu es obligé de consommer. Ah, ils sont obligés de consommer, d'accord. Vous avez compris la dernière fois pourquoi vous avez vu des personnes en train de boire justement un café. Parce que pour être dans l'égalité, il faut justement effectivement consommer. Mais bon, moi je consomme, je prends un verre d'eau. Eh hein. Hey, oh, t'as le droit de consommer en prenant un verre d'eau gratuitement, non? Un verre d'eau gratuitement. C'est pas de la consommation. C'est pas de la consommation? Ah ouais? Je sais pas, moi je suis pas des lois, je connais rien de tout ça. Ok. C'est justement, le but, c'est pas de leur donner de l'argent. Hein. Alors qu'est-ce que tu conseilles? Mais un verre d'eau. On va aller voir un maître Devel. C'est dingue, hein. Maître Devel, oui. Une petite question. Oui. Pour être dans l'égalité, il faut consommer. Oui. Mais si maintenant, on prend juste un verre d'eau. Un verre d'eau, c'est une consommation, non? Non, mais le verre d'eau, il est gratuit. Faut... Ouais. Il est gratuit. Ouais. Donc tu peux pas t'asseoir. Un café. Un café. Okay. Le moins cher, l'expression. Le but, c'est pas de leur donner de l'argent, mais effectivement. Bon, là, on va faire le client citoyen. Okay. On va demander des comptes. Tu vois, tu vas payer ta TVA. La TVA, elle appartient en français, d'accord? On fait le client citoyen. Okay. Et on réclame le compte. T'inquiète. On déteste ce genre de truc. C'est mais bon. Voilà. Non, mais c'est pour les gens qui veulent. C'est le but, c'est que ce soit une action légale. Exact. Et quand t'es client, il n'y a pas de limite de temps. Un petit expresso à 2 euros, on va... Ok. Excuse. Bordeaux, il vient encore une fois. Salut les amis, ça va? Ça va. Désolé, mais tout à l'heure... T'as vu, c'est ça ou rien, quoi. Tu peux pas. Non, mais il faut continuer. Bienvenue à tous, c'est parti. Et donc, c'est la deuxième pour le chez Starbucks. Deuxième chez Starbucks. Bon, au départ, on voulait pas s'en prendre à eux. Alors, bah, on s'est réadapté parce que Apple. Ouais, normalement, c'était Apple, mais. Il faut monter. Allez. Ok, on monte. Alerte générale, alerte générale. Plus fort! Et on est à la cour!
attention, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc c'est à Paris, place de l'Opéra. Merci. Donc c'était reparti pour une deuxième, vu qu'il y a deux semaines Maître Villeneuve avait fait donc une négociation avec le responsable. Oh salut mon gosse, salut, tu vas bien? Putain ça grêle, ça grêle à mort hein. Fais attention à toi ma gueule. Bisous bisous. Et donc là bah, on part donc direction plateau télé. Le plateau télé c'est Hyper TV. Hyper TV ouais. Hyper TV voilà. Moi je dis Hyper TV c'est mode chaîne américaine ouais. C'est voilà. Donc accompagné avec Richie et avec encore d'autres personnes. D'ailleurs on est avec le papa de Richie. Moi je le connaissais pas le mec hein. Voilà mais voilà c'est le papa. Bonjour. Donc voilà donc juste pour avant de quitter le live, on prend le métro ou on... Métro ouais. Métro ok. Juste avant de quitter le live, donc juste pour vous réinformer, donc il y a deux semaines, donc l'opération Coup de poing Gilets jaunes avait donc, bloqué le Starbucks. Maître Villeneuve avait demandé une négociation
montrer que moi on est là et que je ne lâche rien tant que la négociation ne sera pas faite. Voilà. J'aurais bien aimé rester avec eux, mais voilà, j'ai d'autres choses encore à faire. Mais comme dit, vous inquiétez pas, je reviendrai tout à l'heure. Voilà. Et je sais même pas que je sais pas sur le plateau de télé j'arriverai à parler. Si je parle comme ça, ça va être mort. Ça va être mort. Ils vont dire on a invité un bourré là ou. Allez hop, moi je vous embrasse et faites attention à vous. Bisous bisous tout le monde. Ciao ciao.